J'ai jamais vu quelque chose d'aussi féroce. Oui, c'est vrai. Il pourra peut-être. Ça, c'est horrible. Oui. C'est horrible, mais c'est très visible. Mais bien réaliste, hein. C'est un ex de Harakiri, si je veux. Bien sûr, de l'époque du professeur Choron. Qui habitait là, vous savez, dans la rue, là. Non, ça, je sais pas. C'est juste la rue à côté. Racontez-lui l'anecdote là, sur vos fuites en France. Je peux m'imaginer, ou j'essaye, parce que j'essaye un peu d'étudier cette époque aussi, et cette atmosphère a dû être extraordinaire, pour ne terminer certainement pas assez fort. Bien sûr. Quand on créait ça avec c'était hebdomadaire. Hein. Non, alors c'était mensuel, et puis ensuite c'était hebdomadaire. Après, c'était hebdomadaire. Absolument, hein. Absolument. Et pour arriver à remplir quand même les pages avec des idées qui révoltaient ou qui... Dans les années 70, ça a commencé dans les années 70. Etc. Hein. Le japonais, notre ami. Ça n'est pas extraordinaire. Un japonais, là, il va vous tromper. Un japonais authentique. Ça va. Pushko, comment ça s'appelle? Tout le monde est là, aujourd'hui. Montrez-lui les manuscrits aussi, que quelqu'un lui montre les manuscrits en haut. Ça, c'est les dessins de l'époque, justement. Et puis après, vous avez les manuscrits. Ah, d'accord. Et puis ça, c'est le magazine, bien sûr. Elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi féroce, a-t-elle dit. C'est vous, Marc Edouard. Oui. Il y avait l'exposition là avec des dessins. C'est vrai que c'est difficile d'avaler sa salive après ça. Vous voulez des dessins? Vous voulez vous allonger, peut-être? Non. Vous asseoir? Non, mais on n'est pas... Je n'étais pas préparée. Comment je pouvais le savoir? Je suis désolée. C'était si rigolo quand je sifflais mon mec. Eh oui, voilà. Les choses vont vite. Hein. Je suis rigolote aussi, et vous êtes rigolo. Mais oui, c'est très rigolo. Mais là, ça m'a pris. Mais ça, c'est très rigolo, regardez ça. Regardez, c'est pas rigolo? Oui. Hein, si François Hollande. Oui, évidemment. Évidemment. Est-ce qu'il y a vous l'avez même reconnu. Est-ce qu'il y a un président plus flou que ça? Personne n'est plus flou que François Hollande. Ça vous fait pas rire? Non. Même pas. Ah bon? Et ça vous fait pas rire? J'ai trop vu le reste. Mais ça, là, je peux plus rire. Mais ça. J'ai trop vu le reste. C'est ça qui est drôle. Ça vous fait pas rire? Ah, ça y est, elle a ri.